Hello, c'est Namiri Alpha. Alors, je continue avec ce jeu Horizon Zero, non, Forbidden West, cette fois-ci. Et puis, chez moi, ils font des travaux. Enfin, pas chez moi, hein. Juste autour de chez moi, ils font des travaux. Et puis, du coup, c'est boucan. Là, ils ont fait une petite pause, je pense. Mais là, je vais éteindre le micro pour ne pas que vous entendiez des. Etc. Donc, voilà, on va faire la quête. Les aider à trouver de l'eau. Enfin, trouver de l'eau. D'abord, abattre les machines rebelles, machines tueuses, plutôt. Et puis après, ben, pour qu'ils puissent ramasser les cœurs des machines et les échanger contre de l'eau. Enjoy! Je vais essayer de t'aider à abattre les machines isolées. Il vaut mieux que tu n'y ailles pas seul. J'ai l'impression que ton village a besoin de toi. Elle me plaît. Une étrangère comme je les aime. Soit on part tout de suite, soit je te rejoins à notre avant-poste au sud-est. Je viens avec toi. Très bien. On part pour le canyon du sud-est. Alors que l'Église vous protège, je vous attendrai et préviendrai la capitale. Si tu veux. Par là. Plus vite on récupérera ces cœurs de machine, plus vite on aura de l'eau. Une étrangère nous offre l'aide que notre propre clan nous refuse. Et Jetaka Alculo me dit que la commandante a de bonnes raisons de nous rationner en eau. Pitié. Et toi, tu n'es pas d'accord. Eh bien, elle répète sans arrêt que l'eau est un bien précieux dans le désert. Mais tu crois vraiment? Je suis sûr qu'ils se servent dès qu'ils en ont envie. Un chef de clan devrait savoir ce que c'est de lutter pour survivre. D'essayer chaque jour de tenir jusqu'au soir. Je suppose que ce quelqu'un, c'est toi? J'ai vécu toute ma vie à la frontière du désert. Je me suis battu pour chaque gorgée d'eau que j'ai bu. Je sais que je suis un meilleur guerrier. Eh, j'ai plus de chance. Je m'assurerai que chacun ait toute l'eau qu'il lui faut, quel que soit son village d'origine. Il me semble que Jetaka a dit que vous n'en aviez jamais eu assez. Bon bah, je vais t'attendre ici. Je pensais que tu m'avais abandonné. On a encore des pièces de machine à récupérer. Désolé, je devais vérifier un truc. Tu disais quelque chose avant mon départ? Oui, je suis sûr que je pourrais y remédier. Il y a toujours une solution. Ouais, c'est une belle façon de voir les choses. On va avoir besoin de munitions, suis-moi. Ne fais pas attention aux trésors. Nos soldats viennent ici pour se préparer avant de rassembler les machines dans le canyon. Tu peux prendre tout l'équipement que tu veux. Pour le combat qui nous attend. Je garde ça pour plus tard. Merci. Et voilà. Allons-y. Qui te dit que je cherche quelque chose? Ça m'étonnerait que tu sois venu pour profiter du paysage. J'essaie de régler un problème. Je vois. Très bien, je peux garder tes secrets. Je devrais déjà être content que mes problèmes soient dignes d'intérêt. On y est. Je t'aiderai à récupérer ces cœurs si grâce à ça ton peuple a de l'eau. Ce sera le cas. C'est le canyon où on attire les machines. On les coince dedans, puis on les abat. Alors, il faut escalader la barricade pour entrer. Quand on y sera, il faudra se battre. J'y ai perdu trop de guerriers. J'ai hâte de voir la tueuse de champions en action. Vas-y, je te suis. Garde tous les cœurs, je te les prendrai plus tard. Elle a l'air résistante à l'électricité.
peux m'aider à récupérer les cœurs de machine ? Je pourrais le récupérer dans ma réserve. On a toutes les pièces. Je devrais les apporter à Drakkar. Les ailes d'Edis te ramènent chez toi, mon frère. C'est bon, j'ai les cœurs. On devrait rentrer à Flèchement. Oui, on va pouvoir organiser leurs funérailles. Hé, attends! Puisqu'un groupe de machines en colère ne te pose aucun problème... Retournons là où ce gueule d'orage nous a attaqués. J'ai perdu tellement de guerriers là-bas. Je ne peux pas les abandonner. Ils méritent de recevoir. Viens avec moi. Passe devant. Je suis ravi que tu sois là. Plus facile ? Je pense que tous ces gens sont morts pour avoir de l'eau. Tu as essayé de parler à ta commandante, à Lance Ardente ? Oh, la seule chose qu'elle écoute, c'est le bruit d'un arc que l'on bande. À ce propos, j'aimerais bien avoir le tien à mes côtés si on en arrive là. Je ne fais que passer, Draka. Fallait bien que j'essaie. On y est. C'est là que le gueule d'orage a décimé mon escouade. Je suis désolé, Drakkar. Ils ont fini leur vie en guerre. Mettons-nous au travail. Quelqu'un a survécu, près des rochers. Le sol. Attention au sol. Reprends-toi, soldat. Tu ne liais. On dirait qu'Héphaïstos s'est amusé pour les détruire de la chasseur. Arrête un peu.
Le col d'orage est de retour. Ça va devenir compliqué. Il lui ferait de gros dégâts. Ça suffira. Je dois aller voir Draka, le soldat. Je pensais pas m'en sortir. Tu t'es bien battu, soldat. Tu vas rentrer chez toi. Oui, grâce à elle. C'est toi qui as refusé d'abandonner tes camarades. Je sais que j'en demande beaucoup, mais... Tu peux rapporter ces cœurs à Flèchemin ? On se retrouve là-bas. Bien sûr. Soyez prudent. Grâce à ce cœur de gueule d'orage, on aura toute l'eau qu'il nous faut. Merci, Aloy. Garde ça. La poche de Scotch soufflé. Et...
faire des dégâts. Je crois que ça va vraiment faire une pause là, il n'y a pas de... il y a plus de bruit. C'est cool. C'est sympathique. Ah, putain. Ils sont quand même costauds. Plus t'avances dans le jeu, plus ils sont costauds. J'ai besoin de leur truc pour améliorer les sacs. Voilà. Voilà, normalement c'est bon, j'en ai assez. Faut que j'aille voir après le... Ah, j'ai déjà fait... Je dois y aller là-bas. Non, 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 non. On fout de la paix, hein. Les chemins. Te revoilà. Où se trouve Draka? J'ai pris du retard, Chaplin. J'ai récupéré des bagages sur le retour. Elle a les cœurs des machines, dont celui du gueule d'orage. Tu aurais dû voir cette flamme à l'œuvre. Tiens, un petit souvenir de notre victoire héroïque. Sacrée victoire. La commandante sera ravie de la prendre. Apporte-les à Lance Ardente aussi vite que possible, et dis à la commandante combien sont morts pour les avoir. Chasseuse, je peux te parler? Les rumeurs se propagent vers l'ouest. On raconte qu'en plus de ton arc et de ta lance, tu as une sorte de troisième œil, en particulier pour tout ce qui a trait aux anciens. On peut dire ça comme ça. C'est donc vrai. Tu as rendu service à mon clan. Mais nos problèmes ne se régleront pas aussi facilement que le croit Draka. Je crois que ton troisième œil pourrait nous venir en aide. Quel est le problème exactement? Pas ici. Retrouve-moi à Lance Ardente.
Je t'expliquerai tout. Je t'y rejoindrai dès que possible. Bien. La survie du clan... Ok. Ouais, c'est parti. On va rejoindre le reste des défenseurs au bosquet. Étrangère, tu as besoin de provisions ? Ouais, je sais pas si c'est ça qui m'intéresse. Le gantelet, j'ai toujours pas acheté, il faut que j'achète. Alors, le gantelet, oui, bah oui. Puis celui-là, c'était l'eau. Lance-corde grappin. C'est pas... Est-ce que j'ai franchement besoin de ça? De l'eau. Il y en a pas mal, quand même pas mal de machines qui supportent pas l'eau, donc ça peut être intéressant, mais d'un autre côté, j'en ai déjà tout ce qu'il me faut. Surtout le dégât, il est quand même meilleur sur ce que j'ai. Je sais pas. Ça, par contre, là, c'est indifférent. Ça, 76. Il faut monter jusqu'au niveau 4. Le gonflet, je l'ai pas, hein, normalement. Non, je l'ai pas. Je vais bien essayer. Il m'a l'air bien. Voilà. Tu vois, tu as bien fait de venir me voir. Vas-y. Bon, du coup. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entendu dire que la championne avait pris qu'il arrête. Ça marche. Est-ce que j'ai besoin? Disponible pour l'un de vous. Ça marche. Ici, pour les sacs, est-ce que j'ai assez ou pas? Qu'un seul. Arrête de semer plume des hiboux, mais nom de Dieu. Pas de picari, moi je l'ai toujours pas. Chien de prairie, sont petits, vous les choper. Bonjour. Les aracornes, j'ai pas encore croisé. Arrête de saumon, c'est dans l'eau quoi. Peau de lapin, os de pécari, plume de guet. Bah, les pélicans et tout ce qui est poiscaille, c'est près de l'eau, donc il faut que j'aille. Je pense c'est plus tard quoi, pas tout de suite. Du coup, pour la prochaine fois, je vais juste voir la carte où j'en suis moi. C'est très très bien, mais moi je veux d'abord faire le grand coup. Parce que je veux bien voir où je vais, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est les pièces dont j'ai besoin pour améliorer mes armes. Et puis, c'est tout. Pour la prochaine fois, ce sera ça. En attendant, je vous dis à la prochaine. Passez une très très bonne soirée. Et puis à bientôt. Ciao.